縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。海賊王になるのは俺だ！Issa Shibulidana, bro, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va au max. On se retrouve pour une théorie qui me tient spécialement à cœur. En effet, je pense avoir découvert le rêve ultime de Luffy, et celui-ci est exceptionnel et tellement logique. Avant qu'on se lance dans cette théorie complètement folle, j'ai remarqué que tu faisais sûrement partie des personnes qui regardent ma vidéo n'étant pas encore abonné, alors n'hésite plus et rejoins mon équipage. Tu peux aussi like et partager la vidéo si elle te plaît, ça m'aide énormément. Plongeons sans plus tarder dans les coulisses du rêve ultime de Luffy. Luffy veut devenir le roi des pirates. Il le répète sans cesse et nous avons tous cru qu'il s'agissait de son rêve ultime jusqu'à ce que cette planche apparaisse. Et sur celle-ci, on peut voir que plusieurs membres de l'équipage rigolent, mais qu'aussi certains d'entre eux restent plus ou moins sérieux. Il y a plusieurs possibilités pour expliquer les rires. On peut soit imaginer que ce qu'il leur a dit est complètement fou, drôle et loufoque, et que c'est quelque chose d'hors du commun, et donc ils rigolent, ou alors on peut imaginer que c'est quelque chose de tellement dur à réaliser qu'ils en rigolent de force. Je vais pencher pour cette deuxième solution pour plusieurs raisons. Zoro ne rigole pas, et on ne reverra plus son visage. Il a une goutte de sueur, et étant le plus terre à terre, c'est assez symptomatique d'une dinguerie et pas vraiment d'un truc drôle. Exactement pareil pour Robin, qui elle aussi est très terre à terre. Nami et Jinbe au départ, c'est pareil, ils sont surpris et ne rient pas instantanément. Sanji, quant à lui, ira même jusqu'à dire, sur le ton de l'humour évidemment, que Chopper lui examine le cerveau, tellement l'idée paraît impossible. Franky enchaîne et dira qu'il faut bien être roi des pirates pour y parvenir, marquant une dernière fois la dinguerie et le niveau de difficulté que représente le rêve ultime de Luffy. Ce n'est pas juste un banquet géant ou encore d'aller découvrir l'espace. Luffy, probablement malgré lui, a bâti l'équipage parfait pour réaliser son rêve ultime. Il veut devenir roi des pirates pour être l'homme le plus libre du monde. Il le dit notamment à Rayleigh que c'est son but, non pas pour conquérir le monde, mais pour être le plus libre sur les eaux, et celui-ci fera le parallèle direct avec Roger. Sauf qu'à la différence de Roger, Luffy possède un rêve ultime supplémentaire, qui sera la clé de son obtention du One Piece. Roger voulait être l'homme le plus libre du monde, et découvrir la vérité, tandis que Luffy le veut aussi dans un premier temps, mais son rêve ultime est de permettre au monde entier de devenir aussi libre que le roi des pirates, et ça change tout. Tu as bien entendu, Shanks, Ace et Sabo rigolent car c'est insensé de vouloir rendre le monde totalement libre. Tellement insensé que lorsque tu l'entends, soit tu te dis impossible, soit tu rigoles. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'équipage, à part 2-3 personnes qui, comme je te l'ai dit, restent sérieux car elles croient néanmoins en Luffy. Je vais à présent te donner les clés qui prouvent que c'est le rêve ultime de Luffy à travers son propre équipage, et tu vas te rendre compte à quel point chaque membre de l'équipage est une clé primordiale à cette liberté mondiale et que c'était sous notre nez depuis très longtemps. Évidemment, Luffy, à travers la puissance des rêves et tout ce qu'il a accompli, enverra un message d'espoir au monde entier et sera l'investigateur de cette liberté mondiale. Tu as sûrement remarqué que lorsqu'il passe sur une île, il œuvre pour la rendre libre et y arrive. C'est déjà des clins d'œil de son rêve ultime, mais c'est pas fini. À travers sa puissance, il sera celui qui unifie le monde, mais ça je t'en parle un peu plus tard. Passons au reste de l'équipage. Nami veut créer une carte du monde entier, très précise et très complète. C'est son rêve. Cette carte sera rendue publique et permettra à n'importe qui d'avoir connaissance du monde qui l'entoure, permettant encore une fois à n'importe qui de savoir exactement ce qui l'attend en avançant dans le monde si vaste de One Piece. À quoi bon créer une carte du monde si personne ne peut s'en servir ? Évidemment, tout le monde n'est pas libre de créer un bateau et de naviguer, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et risqué, et c'est exactement là où Franky intervient. Comme son père adoptif Tom, il créera un train ou un moyen de transport similaire, permettant à n'importe qui de se rendre n'importe où dans le monde. Nous n'avons aucun doute que c'est possible, et le train de son père adoptif est un clin d'œil gigantesque à cette future possibilité pour Franky de rendre le monde un peu plus libre. Son rêve était de créer un bateau assez puissant pour parcourir le monde entier, et si c'était pas juste les prémices d'un rêve ultime, qui permettrait de créer un moyen de transport pour tout le monde assez puissant pour voyager dans le monde entier. En plus de ce moyen de transport, il pourrait évidemment partager ses connaissances technologiques pour ceux que ça passionne. Sanji veut atteindre All Blue pour découvrir l'ensemble des espèces et permettre à ses recettes d'atteindre un niveau jamais atteint auparavant.
C'est sans aucun doute le chef cuisinier le plus talentueux du monde de One Piece. Et lorsqu'il aura atteint All Blue, on peut facilement imaginer qu'il partage ses recettes au monde entier pour permettre à absolument tout le monde de goûter et de préparer ses recettes. Le but ultime d'un cuisinier. Chopper veut trouver un remède à toutes les maladies du monde et est un médecin incroyable par son passé notamment, mais surtout par ses recherches continuelles. Évidemment que son but ultime, en plus de guérir toutes les maladies du monde, est de pouvoir permettre à tout le monde d'y avoir accès. Comme pour les recettes, on peut imaginer que ce soit partagé sous forme de livres au monde entier, et il pourra devenir à travers ça le médecin du monde. Robin veut découvrir la vérité sur le siècle oublié et sur le passé en général. Lorsque ce sera fait, elle pourra évidemment le partager à tous pour que tout le monde ait un pied d'égalité au niveau des connaissances du monde et que n'importe qui soit libre de pouvoir apprendre l'histoire du monde et d'étudier celui-ci, comme le faisaient ses ancêtres sur l'île d'Ohara. Brook a déjà été un musicien de renom et a performé à travers le monde entier, permettant déjà plus ou moins au monde de pouvoir écouter sa musique de manière libre. On n'a jamais entendu parler du rêve de Brook. On sait juste qu'il veut retrouver Laboon. Mais c'est très probable, au vu de son passé de musicien déjà, que son rêve soit autour de la musique. Et quoi de mieux pour Brook que d'être l'instigateur d'une forme de musique libre pour le monde, à travers une technologie qui lierait tous les musiciens et où chaque personne, peu importe la race et peu importe la localisation, puisse écouter de la musique librement. On a parlé de l'utilité de certains membres de l'équipage pour rendre le monde libre. Mais ça ne t'a pas échappé, je dois encore parler de certains d'entre eux. On garde Jinbei et Yamato pour un peu plus tard. On va se concentrer sur ce que portent Zoro et Usopp. Zoro veut devenir le meilleur épéiste du monde, tandis que Usopp veut devenir un guerrier valeureux. Ce sont deux rêves qui se ressemblent un peu dans la forme. Chacun veut devenir assez puissant et honorable pour atteindre un certain point dans une hiérarchie de puissance. Pourtant, les deux hommes sont à l'opposé total l'un de l'autre. L'un est honorable, fort et courageux, tandis que l'autre est fuyard, faible et peureux. Pourtant, les deux sont des piliers essentiels de cette liberté mondiale. Évidemment, toutes les personnalités de l'équipage participent à ce que je vais avancer à présent, mais eux sont les extrêmes de ceux-ci, et il me semble pertinent que ce ne soit pas là par hasard. Il existe dans le monde de One Piece des gens qui ressemblent plus à Zoro, et d'autres qui ressemblent plus à Usopp. Et malgré ça, l'équipage leur montre que peu importe ta personnalité et qui tu es, tu peux toi aussi être libre. On peut sous-estimer ce point précis en se disant que la personnalité ne compte pas face à une carte qu'un ami pourrait créer, par exemple, mais au contraire, un homme lâche comme Usopp, même avec tous les outils du monde, s'il n'a pas la motivation nécessaire, il ne fera rien. Et même un homme proche de Zoro, Zoro n'aurait jamais atteint son rêve sans l'équipage. C'est des conséquences de plusieurs événements qui ont fait que l'un comme l'autre vont atteindre leur rêve et la liberté, et c'est ce message précis qui permettra à n'importe qui, allant de la personnalité de Usopp à celle de Zoro, en passant évidemment par toutes celles de l'équipage, de devenir libre. Il existe trois îles très distinctes qui sont des clés du concept de liberté. Wano, qui était coupé du monde et qui ensuite s'est fait dominer par Kaido pendant plusieurs années, l'île des hommes-poissons qui sont considérés comme des sous-êtres et qui sont coupés du monde par leur position géographique, et enfin Marie-Joise, qui n'est accessible que par les îles du monde de One Piece, les rois ou les Tenryubito. On va enfin parler de Jinbei et Yamato. Déjà, selon moi, Yamato fera bel et bien partie de l'équipage, et c'est un point important ici qui appuie justement ce que je vais t'avancer à présent. Jinbei veut que les hommes-poissons puissent un jour vivre en harmonie avec les humains sur Terre, et il représente son peuple de manière exceptionnelle. C'est l'homme-poisson le plus célèbre, et c'est un homme bon. Il aime son île natale, et à travers ce message puissant, il pourra permettre aux hommes-poissons de devenir libres sur Terre, grâce à l'acceptation naturelle des humains à travers l'équipage du roi des pirates, le plus libre du monde. Yamato, quant à elle, représente Wano et l'amour que tu peux porter à ton propre pays. Elle rejoint magnifiquement bien Jinbei, puisqu'elle aussi aime profondément les valeurs de son pays d'origine, et veut rejoindre Luffy mais doit d'abord régler certaines choses. Lorsque le monde sera libre, Wano sera une île comme les autres, visitable et sereine, grâce à Yamato, qui élèvera les valeurs de celui-ci dans l'équipage du roi des pirates, en voyant comme Jinbei un message de liberté sans précédent. Jinbei et Yamato sont les deux clés de voûte pour lier les deux îles qui sont considérées comme externes à One Piece, au monde de celui-ci, et de rééquilibrer la liberté de ces deux peuples. Là, tu peux très bien te dire que c'est bien beau tout ça, mais que des mauvais, ça existe encore. Et la marine, qu'est-ce qu'on en fait? En plus, l'île des hommes-poissons est sous l'eau. Déjà, tu connais probablement la théorie qui dit que Renline sera détruite. Souvent, cette théorie est avancée avec l'aide des armes antiques, mais de mon côté, je pense simplement que c'est Luffy qui la détruira. Il en est très clairement capable au vu de ce qu'on a vu récemment, et avec ce qu'a prédit Shirley, il est très probable que ce soit Luffy qui ramène sur Terre les Tenryubito et les hommes-poissons à travers la destruction de Redline. Cela permettrait évidemment de réunifier le monde et de permettre à n'importe qui, de Wano à East Blue ou encore de South Blue à Elbaf, de découvrir le monde entier par rapport à ce que j'ai pu te dire avant pour les membres de l'équipage. Chacun serait totalement libre d'être qui il veut, quand il veut et surtout où il veut, d'avoir un accès total à la médecine, à l'histoire, à la cuisine, à la technologie ou encore à la musique. C'est la liberté qu'aura Luffy
et qu'il veut transmettre au monde entier à travers son rêve ultime. Il reste une dernière interrogation, et la marine, on en fait quoi? Je pense qu'il existera toujours des gens mauvais dans le monde. One Piece n'est pas une utopie et on a déjà pu le voir que le monde était gangréné et c'est là que la marine sera primordiale. Le système de primes sera évidemment aboli, car elle gangrène le mal encore et encore. La marine ne se concentrera plus que sur les vrais méchants. Si un pirate l'est, alors il devra être arrêté. Si par contre, à l'image de Luffy, il est gentil, alors ça ne fait aucun sens de l'arrêter. Et c'est pareil pour tout le monde. La marine deviendra enfin une justice droite et juste. Celle-ci se fera évidemment, je pense, à travers Kobe, qui possède des valeurs puissantes et justes, et qui a été introduit dès les prémices de l'œuvre aux côtés de Luffy. Sans oublier son mentor, qui est un des marines les plus emblématiques et droits de l'œuvre, Garp. Ce rêve ultime est probablement aussi celui d'Oda, et c'est ça qui rend la chose encore plus belle. Lui aussi aimerait que le monde soit libre. C'est littéralement ce qu'on apprend à travers Luffy, le protagoniste qu'il a créé, qui est totalement libre et qui fait en sorte de continuer à l'être, et qui à travers ses propres mots veut devenir l'être le plus libre du monde, en devenant le roi des pirates. C'est donc ça, le rêve ultime de Luffy, permettre au monde entier de devenir totalement libre. J'espère que tu as aimé ma théorie, et si c'est le cas, alors n'hésite pas à me donner un maximum de force en t'abonnant et en partageant la vidéo. Je pense que cette vidéo est le moment parfait pour te remercier d'être présent et de me soutenir encore et encore. Les commentaires nombreux d'une force infinie me touchent énormément et me poussent à tout donner pour te proposer un contenu de très haute qualité. Que tu rejoignes l'aventure aujourd'hui, demain ou encore hier, un grand merci. Sur ce, prends soin de toi. Ciao ciao.